デッド・オア・ライブ・エクストリーム3。君は知っているだろうか、あの素晴らしい日々を。愛にあふれた夢の島を。だがある日悲劇は起きた。かつて二度にわたり築き上げた。Salut Dobby, comment ça va?Est-ce que t'es prêt à passer un moment avec moi pour les vacances de Ayane? On est parti en mode vacances. Alors comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Dobby. Allez. Alors on a qui? On a Elena encore. On a Marie-Rose à faire. Et Ayane. Et on va choisir Ayane. C'est parti. La démo d'entrée de jeu. だけど本当にこんな島に霞抜け人の情報はあるのかしら。この日差しじゃ日焼けしちゃう。Ça va bien? Oui, ça va être chaud ce soir. Ouais, c'est très hot. さっさと終わらせて帰るわよ。C'est très très hot.Par contre, on va lui changer sa coupe de cheveux parce que... Ouh, Kokoro en partenaire, j'aime bien Kokoro. On va la prendre. Il n'y a pas de sous-entendu. Bien sûr que je te prends, quand tu veux. Alors, jouer une partie de beach volley. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord acheter de la lotion solaire.
Parce que je veux l'avoir bronzée très rapidement, cette Ayane. Elle me fait de la peine, comme ça. Alors, comment ils sont, ces maillots? Oh là là, celui-là, il va être tendu à 100 000. Ouh, celui-là, il est chaud. Oh, celui-là, j'aime bien aussi. 800 000, celui-là. Oh là là. Le coussi, celui-ci est pas mal. Celui-là, il a trop de tissu. Celui-là aussi est bien. Oh là là, celui-là, il envoie du lourd aussi. Aïe, aïe, aïe. Et oui, ça fait longtemps. Les occupations de jeune papa me laissent plus beaucoup de temps pour jouer à la PS4. Ah ben oui, c'est clair que... C'est clair que une fois que t'es papa, les priorités changent. Oh là là, il y a des mots. Elle a des beaux maillots, Ayane, franchement. Elle a de très beaux maillots, Ayane. Alors celui-ci, il me le faut. Alors celui-ci, il me le faut absolument. Bon, ce qu'on va faire, c'est d'abord acheter les lotions. 800 000 dollars le maillot, tout à fait. Allez, on commence par une lotion. Direct. Appliqué, c'est bon, j'ai mis la lotion solaire. Et ensuite, donc la mission de progression. Jouer, alors en anglais bien sûr, j'aimerais jouer au beach volley. Ah putain, avec le même maillot que ma partenaire. Mais j'ai pas le même maillot que la partenaire, putain. Il est trop dur celui-là. Et en mode owner, est-ce qu'on peut acheter le même maillot de bain? Ça va être que c'est compliqué, c'est trop compliqué là. Bon, on va quand même se chauffer avec une relax. Alors la relax d'Obi, c'est une petite scène cinématique du personnage qu'on dirige. Et on va l'utiliser. On va faire une petite relax. Ouh là là, c'est chaud tonight, c'est chaud. C'est chaud. Ouh là 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 là. On va lui changer sa coupe de cheveux par contre. Allez, on commence pour une relax pour Dobby. Allez. Oulala, c'est hot tonight. Oulala, mets de l'huile. Allez, on est parti, on va faire une petite partie de volleyball. Alors d'abord, on va lire qu'est-ce qu'elle aime, Ayane, comme ça on va être dans les clous. Tout de suite, elle est où Ayane? Elle est là. Alors qu'est-ce qu'elle... Elle est... Elle aime gagner au volleyball, ça tombe bien. Elle aime les marrons glacés, les tomates, le crabe et le raisin et les sushis. Sa mission de maillot de bain sera d'avoir le maillot de bain Jet Black, uniquement disponible dans le Owner Shop. Vous pouvez aussi lui offrir un éventail en métal, arme japonaise, un moulin à vent violet, un frisbee arc-en-ciel, un livre de partition, un petit avion bleu, des lunettes, le roman Bridge to Space, un parasol japonais et des chaussures et une broche scarabée. Allez, c'est bon, on sait ce qu'elle aime et on va attaquer par une petite partie de volley. Allez, faites péter les strings. Salut Anto, bienvenue à toi. Tu me feras penser, Anto, que je te dois une relax juste après ce match de volleyball, puisqu'elle kiffe le volleyball. Le problème, c'est que tu vois que la mission de progression,
Eh bien, c'est une mission de progression volleyball, mais faut porter le même maillot de bain que ma partenaire, ce qui n'est pas le cas. Et on va jouer contre Onoka et Itomi. J'espère avec les maillots de bain qu'on leur a offerts. Hein. Parce que les autres ont trop de tissu. Non. Pas celui-là, Onoka. Pas celui-là. Tu déconnes. Allez, on est parti. Notre partenaire est Kokoro Anto pour toutes ses vacances. Eh ben, dis donc. Et jolie Onoka aussi, mais faut lui changer sa coupe de cheveux. Bon non. Putain, elle a renvoyé direct, cette mongole. Elle gère Kokoro. On lui voit la moitié de ses fesses, mais elle gère. Us. Oh! 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 Elle est belle, Kokoro, aussi, hein! Non! Mais non! J'étais sûr qu'elle arrivait sur moi, la balle! T'es pourquoi elle renvoie direct? Oh là là! Ouf! Oh là là! Non! Sans déconner! Oh là 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 là! Pourquoi j'arrive pas à se matcher fort comme ça? Bon choix de maillot! Attends, tu vas voir! Anto! Dobby, il a déjà vu les maillots, mais tu vas halluciner pour Onoka! Ils sont monstrueux! Oh là là, faut qu'on gagne, faut qu'on gagne! Faut qu'on gagne! Bien! Ça, c'est bien joué, ça! Alors, je vais penser à la lotion de bronzage tous les jours, hein! Parce qu'elle est un peu trop palote, je trouve, hein! Non! Ouf! Non! Oh là là, comme elle... Oui! Non! Allez! Bien! C'est ça que j'aime! Boum! 237 000, direct! Alors, on va montrer les maillots à Anto. Bon, on peut pas les montrer là, parce qu'on rentre à l'hôtel. Ah, elle a bien bronzé en un jour, déjà, là. On va acheter les lotions. Hein. On va voir la différence sur des vacances entières avec des lotions tous les matins. On va voir. Voilà, donc justement, ma lotion a fini de faire effet et je vois la différence en un jour déjà. C'est un truc de fou. Hein. Il est sympa ce maillot, n'empêche. Hein, en mode arc-en-ciel. Alors, on va visiter la boutique du propriétaire. On va voir ce qu'il y a comme maillot personnel. Et son maillot de mission, c'est... Oh, t'inquiète pas.
Ah, elle va apparaître. Alors attends, on va vérifier. Donc son maillot, c'est le Jet Black, c'est ça. Elle, c'est le Jet Black. On tentera de lui offrir, mais je pense que c'est trop tôt. J'ai peur de gaspiller de l'argent. Donc ouais, au final, je pense qu'on va pas tenter de lui offrir. Je préfère en acheter moi-même, d'être sûr de les mettre. Mais oh, le Jet Black, il pourrait être pas mal pour elle. Hein. Je reviens, ça coupe à cause de la box. Pas de souci, Anto. Je te montrerai les maillots après et je te ferai une spéciale dédicace de relax. Alors, la prochaine mission, déjà on va l'arrêter celle-là de mission, trop compliquée. Quitter la mission. Et on file dormir. Alors on a 14 jours à passer sur cette île paradisiaque. Et je compte bien me rincer l'œil. Nouvelle mission, jouer au pool au ping avec une autre fille et gagner une fois. D'accord. Alors, d'abord la lotion. Appliquer. Et on balance le pool au ping direct. On est parti. Le but est d'arriver au bout de la piscine le plus rapidement possible et surtout avant votre partenaire. Bien, ça c'est du bien joué. Mission accomplie. C'est parfait. Alors, nouvelle mission. Jouer au pool au ping seul et finir en dessous de 30 secondes. C'est parfait. Cette fois, il va falloir jouer seul. Pool au ping seul en moins de 30 secondes. Chronomètre en main. Je pense qu'on est bien là. Non ! Le cassos ! Alors, oh, on a cassé le maillot. Parfait, mission accomplie. Et la lotion de bronzage ne fait plus effet. On a gagné 200 d'XP. Alors, donner un instrument à une fille en mode owner. Ben, c'est facile, ça. On passe en mode propriétaire. On va acheter un instrument de merde. Ah, qu'est-ce qu'elle aime comme instrument, quitte à lui faire plaisir. On va voir un cadeau. Un éventail de métal, un moulin à vent, un frisbee. Des chaussures. Un ocarina. Mais faut lui acheter un ocarina. Et elle va kiffer. On va lui acheter l'ocarina. Est-ce qu'il y est l'ocarina? Il y est pas. Il y est pas. Ah putain, dommage. On va lui acheter la trompette. Ayane, on va mettre le papier cadeau qu'elle apprécie.
Moi, je lui achète une trompette en argent. J'espère qu'elle va aimer. Hein. Offrir un cadeau à Yanné. Non, on va l'offrir à Kokoro. Bon, elle aime pas trop, mais bon, elle apprécie le geste tout de même. C'est déjà ça. Alors, on rentre à l'hôtel, mission accomplie, il est temps de la relax. 12 000 dollars pour avoir réussi la mission et 200 d'XP. Alors, elle veut jouer à la roulette une fois. Ben, c'est parfait, ça m'arrange. Oula, on nous a offert peut-être un maillot de bain. On va quitter, on revient en mode girl. Alors, c'est quoi le cadeau qu'on a reçu? Un maillot de bain, ça fait plaisir. Et un micro, ça fait plaisir. Faudra que je pense à l'offrir celui-là. Ah. Qu'est-ce que je fais? Je le mets ce maillot? Il est moins intéressant. On va éviter des marques de bronzage trop grandes. Alors, jouer à la roulette une fois et on va le faire tout de suite. Donc, on file au casino et on joue à la roulette. Et les rouges. Ah non, on le met pas, hein. Il t'intéressait pas le maillot. Dobby, est-ce qu'il y a un chiffre qui t'intéresse? Re-Anto, donnez-moi vos chiffres. Un chiffre pour Anto et un chiffre pour Dobby. Ah, perdu. Allez, un chiffre chacun. Pour l'instant, je vais jouer que cela, cela et cela. Le 10 pour Anto, on va le jouer juste après. Le 10, on peut pas jouer, il est pris, donc on va attendre. Le 10 et le 21 pour la prochaine partie, ok. Et on va tout mettre. Allez, le 10 et le 21, on est parti. Le 10 et le 21. Et on va parier sur les noirs. Alors, j'espère que vous allez me faire gagner beaucoup d'argent. Et après, on va leur acheter des maillots de bain bien sexy. Des maillots de bain ras la fouf. Le 4. Bon, on a fait un peu de sous parce que j'avais parié sur les noirs aussi. C'est déjà ça. Allez, on quitte la table. La mission est réussie. Une relax pour Anto est revenue. On va au lit. On
On va utiliser la lotion et on va faire une petite relax pour Anto. Je te la devais celle-là, j'étais obligé. Et le numéro complémentaire, le 72 000. Ça fait un peu beaucoup, hein. Ah, donner un maillot de bain à une fille. Ouh, il y a moyen de lui offrir le... Ouh là là, il y a moyen d'offrir le Jet Black à Ayane. Donc on va mettre la lotion d'abord. Donc j'ai compris le but est d'avoir dans son... dans sa fenêtre d'items que des objets avec des cœurs en fait. Allez, la lotion est faite. On va faire une petite relax pour Anto. Bienvenue Anto, c'est pour toi. Oh là là, cet écartement de jambes. Oh là là, cet écartement de jambes. Oh là là, je l'ai pas raté celui-là. Salut Broly, salut, comment ça va? Salut S-Gaming, comment ça va bien aussi? Non, 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 on n'est pas des pervers. On aime les jolies femmes, c'est pas pareil. C'est différent. On aime les jolies femmes sur des fonds de musique reggae. Allez, on est parti, on va essayer d'offrir un maillot de bain à Ayane. Le problème, c'est que je vais attendre d'être dans le magasin du propriétaire pour lui acheter. Je pense que ça va être mieux. Comme ça, je vais essayer de lui offrir son maillot de prédilection. Voilà, donc on va faire le tour des maillots de bain. Anto, c'est celui-là. C'est celui-là que je t'ai parlé. Celui-là, c'est un monstre. Celui-là, il nous le faut. Celui-là, il nous le faut. On est obligé, mais je vais le prendre en noir. Alors, on a le laminar, le leprechaun, le pixie, le coutulain, le knocker, le melia, l'hippogriffe, le nymph. Oh, le nymph, il est sexy aussi, hein. Celui-là, il est monstrueux, spécial, underboobs, le silky. J'ai acheté le collector que j'avais reçu 5 jours après la sortie. Ah, t'as dû bien t'amuser avec. Ni ou ni. Il n'y a plus le noir. On s'est fait arnaquer. Il n'y a plus le noir. Bon, c'est pas grave. On le prendra en violet ou en rouge. C'est pas grave. Mais celui-là... Vu comment il se cambre sur le côté, c'est sûr qu'il finit en stringos derrière. C'est sûr et certain. Donc on va attendre le soir pour réaliser cette mission. On va faire un beach flag d'abord, avec Kokoro. Et je vais vous demander de regarder le fessier de Kokoro. On voit la moitié de l'arrêt. Regardez les fessiers de Kokoro. Oh là 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 là! Non, faux départ! J'étais trop déconcentré par son fessier! Sans déconner! Je suis un cave, sans déconner! Non, mais je suis un cave! Bon, on va faire un jeu de cordes! Ah, tu as toutes les tenues S-Gaming! Tu vas me filer ta sauvegarde. Est-ce que t'as réussi à voir le... S-Gaming, est-ce que t'as réussi à voir toutes les fins? Non, non, non.
Tiens, connasse. Tiens, connasse. Ouh là là, on commence à voir un peu les marques de bronzage, hein. Allez, on a un trophée. Tug of War Master. Allez, on rentre à l'hôtel et on va tenter d'acheter le maillot pour Ayane. Donc, elle, son maillot, c'est le Jet Black. Ok, on a reçu un cadeau, on va voir ce que c'est. C'est quoi le cadeau? Attention, roulement de tambour. Une plante, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ouais, j'ai geeké et non, aucune, je ne sais pas comment. Ah, ben nous on va y arriver, parce que Anto m'a passé la soluce. Oulala, là là, elle pique, hein. Allez, on file au magasin, on va se mettre en mode owner. Le magasin du propriétaire et on va essayer de lui acheter le... Ouh là là, celui-là il fait mal aussi celui-là. À 400... Oh putain, on a assez. On a assez pour le Jet Black. Il coûte 200 000. On va lui mettre son papier cadeau préféré. J'espère qu'elle va l'accepter. J'achète pas pour rien. Il me manque ça pour le platine. Ah, ah, petit pervers, S-Gaming. Petit pervers. DSK approuve ce jeu. C'est clair. Oh putain. Après la 2DS, après la 3DS, plus besoin de disquette, la DSK, vous la met direct. Oh putain. Allez, on va l'offrir à Ayane pour voir si ça passe. J'ai vu la tenue, trop de tissu. Non, j'aime juste les femmes. Ah, je vois que tu as repris mon slogan, mon cher S-Gaming. Allez, on est parti. Offrir un cadeau à Ayane. Donc, on va lui offrir le Jet Black Bikini. Il y a trop de tissu en toi, je suis d'accord. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je t'offre un cadeau. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, pas mal. Elle a aimé et elle a pris. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Ouh là là, elle va le changer devant nous. Il va falloir fermer les yeux, c'est ça? Qu'est-ce que fait? J'ouvre les yeux ou pas? Oh là là, j'ouvre les yeux. Non, non, j'ouvre pas. Y a... Ouh là là. Ouh là là. Je tente. J'aurais dû tenter. Oh, il lui va bien. Hein. Trop de tissu quand même, hein. Anto, t'as raison. Ouh. Ouh là là. C'est chaud. Noir, 400 000, il déchire. Le noir à 400 000, il déchire. Alors, au fait, tu avais aimé le 3 cette année. Et j'entends plus rien sur Shenmue. T'inquiète pas. Vu que j'ai participé au comment ça s'appelle? Start Kicker. Comment ça s'appelle déjà? J'ai carrément oublié. En tout cas, j'y ai participé. Le Kicker Start. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Bref, vous m'avez compris. Donc j'ai participé au Kickstarter, donc je reçois des mails tous les mois sur le développement du jeu avec des photos, on les voit dans les studios de développement en train de travailler, faire les dessins, travailler sur l'ordinateur. Donc t'inquiète pas, il est en développement, S-Gaming. Shenmue 3 va arriver, c'est sûr et certain. Le Kickstarter, c'est ça, s'il te plaît. Eh oui. Ouais, ouais, c'est ça, c'était Kickstarter. Voilà, donc t'inquiète pas, il est en développement. Et le 3 de cette année, remporté par Sony une fois de plus, hein, clairement, hein, avec les exclusivités qui préférait l'ancien.
l'ancien maillot. Attention, je veux un plus un pour ceux qui préféraient l'ancien maillot et on remet l'ancien maillot. C'est vous qui décidez. Je vous le montre un peu, celui-là. Qui préférait l'ancien maillot? Le plus important, c'était de l'avoir de côté, celui-là. Donc on l'a, c'est parfait. Oh, elle se fait des caresses. Et les Crash Bandicoot, tout à fait. Et les premières images de Standing... Death Standing, c'est ça? Personne préférait l'ancien maillot? Ça veut dire qu'on le garde? Le noir, Dobby vote pour le noir. Ok. Osef du maillot. On la veut toute nue. De toute façon, on va prendre un Stringas. Et surtout, enfin, le Skyrim PS4. Non, il m'intéresse pas. Hier, on m'a posé la question. Quel jeu tu attendais le plus? J'ai dit No Man's Sky, mais j'ai carrément oublié The Last Guardian aussi. Hein. Allez, c'est parti. On fait dodo. Et on attaque la nouvelle journée. J'avais oublié The Last Guardian, les gars. La base, hein. Allez, super. Ouh, 51 000 dollars. Parfait. Et 350 XP. Alors, jouer au Tug of War en portant le même maillot. Putain, j'ai horreur de ce genre de progression, là. Ils me prennent pour un con, hein. Ils me prennent pour un con. Va falloir que j'achète le même maillot à Kokoro. C'est pas possible. C'est pas possible. Le retour de Quake, je m'en fous. J'aime pas trop les FPS, déjà, à la base. Donc, du coup, surtout multicompétitif. Skyrim ne me tente pas non plus, je l'ai bien dosé sur PS3, voilà, je pense exactement comme toi, Broly. Allez, on va se faire un petit bitu brûlé, là, puisqu'elle aime bien ça. Ouh, on va jouer contre Momiji, les gars. Momiji, c'est ma préférée pour le moment. Alors, faites-vous plaisir. Ma femme demande s'il n'existe pas une version homme pour les filles. Et non, elle marchera pas parce qu'elle va bider, clairement. Je suis level 100. Ah ben ouais, S-Gaming, ça le fait. Hein. T'es level 100 sur le jeu? Oh con. Non. Ouf. Oh là là, regardez le maillot à Momiji. Oh putain, j'en étais sûr. Tiens! Elle est belle comme ça, Kokoro, hein? Très sexy. J'ai débloqué les deux modes. Ah oui, mais ça, j'en garde la surprise des deux modes. Tiens, j'essaie d'allober. Oh là là! Putain, ils nous font pas le replay. C'est quoi ce maillot, Kokoro, là? Faut pas déconner. Regardez Momiji. Oh là là. Oh là là, c'est du lourd, Momiji. Mais non. Qu'est-ce qu'elle me fait, là?
Oh là là, elle sent fort, toi. Ah bah dis donc. Non, mais elle me défonce. Une fois en terminant une partie, j'ai gagné 1 million. Oh, comment t'as fait 1 million sur une partie de volée? Non mais là on va pas le gagner, c'est mort hein. Bien Kokoro, c'est bien ça. C'est bien Kokoro. Mais t'as trop de tissu. Carton rouge. Bien. Allez, on revient. En PLS, Momo. La PLS. Attends, je me fais ouvrir. Oh là là. Oh là là. Cette raclée, c'est clair. Oh, mais... C'est pas normal. C'est... Oh, mais... Oh, t'as vu, moi, se battre 2 fois d'affilée, là. Ace Gaming, est-ce que tu sais comment on fait les grosses matchs? Alors, ça dit quoi? Non, partie finale avec le rang S. Ah, il y a une partie finale avec le rang S? On y croit. Alors, on va essayer, Dobby, on va essayer. J'attends Shiranui Mei sur DOA 5, last round. Ils vont la rajouter. Comment on fait les grosses matchs, Ace Gaming? Puisque tu as gagné 1 million de dollars, tu peux me répondre peut-être, parce que j'arrive pas à faire les grosses matchs. Voilà, comme celui-ci. Allez, il y a moyen qu'on y arrive. Bien, 6-5. Il faut taper au dernier moment. Putain, au dernier moment. Il faut pas rester appuyé sur le bouton. Il faut vraiment que j'appuie au dernier moment. D'accord. Ok, je prends note. 6-5, on est parti. On va gagner ce foutu match. Oh. Bien. Alors si c'est trop tard, tu rates. What the fuck, c'est quoi ce jeu? C'est un jeu coquin, K7, je vais t'appeler K7. DOA 5, le jeu qui a 5 saisons, 5 saisons passent à 90 euros chacun, c'est clair. Non, maintenir fait rien du tout. D'accord, moi j'essayais de maintenir comme un con. Alors pour tous les nouveaux arrivants, on va faire une relax après, je vous le dis. Hein. Et si on gagne le match, on fait 2 relax. Oh, j'ai eu peur. Bien, 7-6. On va gagner le match. Non. Je l'ai attrapé là, sans déconner. J'ai pas osé faire la passe. J'ai pas osé taper là aussi. Non. Non. J'ai pas osé taper. Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait là?
Ils sont en train de me laminer. Oh non, on a perdu. On a perdu. Donc ça dit quoi? Oui, ça va, la forme cassette. Bien, tranquille, et toi, la famille, ça va? Shiranui qui fait partie de King of Fighters. Ok. Ah oui, Tekken 7, en début d'année, j'étais fou. Ah, les Tekken, moi, j'ai lâché l'affaire. Hein. Ce contre des abysses, c'est clair. Allez, pour les derniers arrivés... Pour les derniers arrivants, pardon, on balance une petite relax avec... Avec... D'abord, on achète la lotion. D'abord, on achète les lotions et on fait la petite relax. Putain, c'est pas là. C'est ici. On achète les lotions parce que je veux l'avoir bronzée, celle-là, je vous le dis. Oula, on va pouvoir acheter du maillot de bain aussi. Lotion. Pas de papier cadeau. Lotion. 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 Je pense que ça suffira. Tu as pas de skill au volleyball. Ah, j'apprends encore, Ace Gaming. J'apprends encore. J'apprends encore. Alors... Tac, une petite lotion pour le bronzage. Tac, ça c'est fait. Et une relax pour cassette. Petite relax. Elle se la pète sur son rocher quand même, hein. Qu'est-ce qu'elle est en train de se dire là? Non mais on dirait qu'elle se touche là, sérieux. Sans déconner. Le volet est plus chaud que Dark Souls 3. Ah, on est d'accord. Allez. On va balancer un petit sport là. Un petit sport, on est parti. Un petit pouston-boule. Contre Kokoro. Elle a trop de vêtements là, Kokoro. Ah oui, question Ace Gaming. Comment on fait pour faire le gros coup de boule? Moi j'aimerais bien savoir. Par contre, ils ont pas mis de Tina, j'étais énervé. Ah, c'est pas grave. Ils pourront toujours rajouter ça en DLC, ces salopards. Est-ce que tu sais comment on fait le gros coup de boule? Esquive. Esquive. Oula, voilà. Ah, oh, saloperie. C'est un ancien jeu, il était sorti sur 360 à la base. Et c'est le troisième épisode. Le rocher est bien sûr. Le rocher est bien dur. Gauche et droite. Ok, d'accord, super. Merci Ace Gaming. On va le tenter. Non. Ok. On a merdé. On a merdé. Mais c'est risqué. Eh ben ouais, je viens de le voir. Hein. Je viens de le Kéremar. Allez, c'est la fin de la journée. On va zapper cette mission aussi. Parce que cette mission, avec les mêmes maillots, c'est la galère. C'est risqué. Mais c'est risqué. Mais il faut le faire rapidement. Gauche-droite. Ok. Allez, c'est parti. On a reçu un cadeau, comme d'hab, comme tous les soirs. Qu'est-ce que c'est? Ah ben on va le manger, hein. Direct. Ouh là là, cette position, mec. Oh là là. Photo. Obligé.
photo. Obligé. Je fais tout en... Hard. Ah ben ouais, S Gaming, j'avoue que... J'avoue que... Que tu gères bien. Si c'est vrai. Oh là là. Allez, go. On va quitter la mission déjà. Voilà, quitter la mission. Je répète encore, mais franchement, les missions où tu dois avoir le même maillot que ta partenaire, ça, tu les fais vraiment une fois que t'es blindé de pognon. Allez, go. Je crois qu'on a assez pour s'acheter le maillot de ouf, les gars. Alors, prendre photo pendant une relax en mode propriétaire. Ah ben ça, c'est facile. Juste une. Personne peut test. Nyo Tengu, c'est la meilleure. J'aime bien Nyo Tengu, mais je préfère Momiji quand même. Hard dans quel sens? Sans déconner, trop fort. Hard dans quel sens? Je joue en hard. Tous les mots qu'on dit, j'ai l'impression qu'on peut les sous-entendre. Le mode hard, bully pervers. Ah, putain, merde. Donc prendre une photo, hein. Ils disent bien qu'une seule photo, hein. Prendre une photo d'une fille en train de se relaxer. Donc d'abord, on va aller acheter le maillot de bain. Le maillot de bain ouf. On va voir s'il n'y en a pas des meilleurs, on ne sait jamais. Est-ce que le noir est revenu? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah putain, il était à 500 000, je crois. Merde, on a encore besoin d'un peu d'argent. Par contre, j'espère qu'il sera encore. Hein. Il n'y a plus le violet, là aussi. Hein. Les maillots, ils bougent. Hein. Pas mal, celui-là. Celui-là, il est stringé, celui-là. Celui-là, il est stringé, c'est sûr. Sandman. Ah, celui-là, il nous le faut, les gars. Il nous le faut, celui-là. En owner aussi, il faut que tu prennes la photo. Oui, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire la relax. On va se mettre en owner. On va faire la relax. Et on va la prendre en photo. Donc là, c'est la relax gratuite, en fait. Hein. Allez, pool. Take photo of Ayane relaxing. Ok. Bam. Ça y est, c'est fait. Ils savent pas utiliser des bouées, par contre. Hein. Ah, la jeter à l'eau. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bam! Photo! Elle va se jeter à l'eau. Oh là là! Bam! Photo! Alors là, me dites pas que je sais pas prendre des photos, les gars. Parce que ça, si c'est pas une photo qui tue, je sais pas ce que c'est. Mes émotes qui merdent. Ah oui, il y a des roulements sur les maillots. D'accord, on en a la certitude maintenant. Tac, enregistré. Elle s'échauffe, c'est bien, continue comme ça. Attention. Photo! Ah putain, j'ai raté. Ah non, je voulais la faire pendant qu'elle tombe dans l'eau. MDR, le voyeur. Allez, on a gagné 4250$. On a gagné également 50 XP, c'est pas beaucoup. Alors maintenant, il faut acheter... une protection solaire, un soin de peau à une fille, n'importe laquelle. Hein. Allez, go, on va aller lui acheter ça. Alors là, le soin de peau, c'est là, je crois. Par contre, il coûte 100 000, on n'a pas assez d'argent. On s'est ruiné sur le maillot Jet Black. Allez.
Allez, on va faire un beach flag. Avec qui? On va jouer contre Onoka. Allez. Qu'est-ce que j'ai skippé là? Ah putain, merde, j'étais en mode owner, j'ai pas fait gaffe. Hop, on va la refaire. Beach flag avec Itomi. Imagine le mec derrière, c'est clair. Ah, Broly a aimé ma photo, ce que je vois. Ça fait plaisir. Allez, on va faire le beach flag qu'on a raté. C'est pas grave. Contre Itomi. Elle va vite, elle va vite, elle va vite. Là, c'est bon. Allez, allez. Ouf, ça va, j'ai pas appuyé trop tard. Ou plutôt trop tôt. Bien. Allez, on rentre à l'hôtel. On va couper cette mission de merde. J'ai meilleur Broly, t'inquiète. Allez, on va voir c'est quoi le cadeau, comme d'hab. Merde, je me suis trompé. Hop. Le cadeau. Non, c'était une fusion de ton pseudo et de Tortue Géniale. L'enfoireuse. C'est pas faux. On a tous une tortue géniale qui sommeille au fond de nous. Allez, le cadeau. Elle aime bien les sushis, je crois. On va lui faire manger. Elle sera contente. D'ailleurs, Broly, tu vas prendre Xenoverse 2. Ah, il est chaud, Broly, sur Xenoverse 2, je crois. Allez, on coupe la mission. Et on file au lit. Oui, j'ai préco le collector. Oh là là, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd, Broly, c'est du lourd. Ouh, très facile mission. Boire un soda à la crème. Avec Ayane. C'est parfait. Un soda à la crème. Dans tous les mangas, les vieux sont pervers. C'est pas faux. Un soda à la crème. Crème soda. Allez, on achète. On prend. Et on le boit cash. Bim. Elle est contente, ça lui fait plaisir. Et la mission est réussie. Mon Saiyan Super Saiyajin 3 qui va rouler sur le monde. Ah. Ça va faire plaisir. J'ai testé la pré-bêta. Ah oui, j'ai vu Atonium qui a fait une vidéo dessus. Hein. Et du coup, je voulais savoir... Ouais, Broly, tu dis que tu auras un Super Saiyajin 3, ça veut dire que ton avatar... pourra avoir la transformation SSJ3, c'est ça? Oh, ça va être du lourd, ça! Ça, c'est la nouveauté du jeu, mon gars! Il va être puissant comme ça. Ah ouais, ça va être bon ça. Ah ouais, 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 c'est bon ça. Ah, je savais pas qu'il pouvait se transformer en Super Saiyajin 3. Il se transformait jusqu'au niveau SS2, je crois. SSJ2, je crois. Sur le premier Xenoverse.
La race de Freezer a le Golden Freezer Namek géant. Ils ont travaillé dessus comme des dingues, t'inquiète pas. T'es sûr? J'ai peur que ça soit à 1.5 moi, c'est ça qui me fait flipper. Hein. Je me dis autant rester, enfin... Je me dis ça en fait. J'ai tellement peur qu'il y ait très peu d'évolution que je veux pas le prendre. Allez, 20 000 $, ça fait plaisir. Jouer au pull-up ping seul et faire moins de 24 secondes, ça commence à se compliquer. Tout à l'heure c'était 30. Pull-up ping. Il y a presque tous les persos des OAV. Oh là là! Bien! Les boues ont le mode Kid Boo et les humains le nuage magique. Le nuage magique, c'est pourquoi c'est pour le village. Comme ça, tu te déplaces plus vite, c'est tout. Ou c'est pour les combats. 500 d'XP. Ah, mais c'est parce que je suis passé au niveau 18, c'est pour ça. Alors, gagner un beach flag une fois. Ben, c'est parfait, on va le faire. Chaque race a un power-up. Ok. Et le gameplay a été énormément mis à jour. Il n'y a plus de choses. Il y a plus de choses. Je sais que le jeu tournera en 60 FPS constant. Je pensais que le premier était en 60 FPS, mais apparemment non. Allez, faut gagner le beach. On va le faire contre New Tengo pour faire plaisir à Ace Gaming. Elle a trop d'habits là. Je vais plus vite. Oh putain. Non, de 30 à 35 FPS, il était le premier Xenoverse, c'est vrai? Nono, toi qui joues à Project Cars, tu crois qu'Assetto Corsa vaut le détour? Non, je pense que c'est une copie. Je pense que c'est une copie de Project Cars. On est dans le même style. Un jeu ultra simulation, quoi. Ultra simulation, en fait, je me comprends. Un jeu axé simulation. Par contre, t'auras les Ferrari et les Lamborghini dedans. Par contre, t'auras pas beaucoup de circuits. T'auras beaucoup moins de circuits. Donc moi je vais faire l'impasse sur Assetto Corsa, même si je sais que c'est un jeu auquel je pourrais vraiment m'amuser. Project Cars, je trouve franchement que pour quelqu'un qui aime les jeux de simulation... Alors, non, c'est un Power in Game, le nuage, plus bâton magique pour le terrien. Ok. Va falloir que je regarde du gameplay. Hein. Va falloir que je regarde du gameplay. Alors combien on a fait de sous? Que 4500? Allez, on va acheter le maillot de fou. On va l'acheter le maillot de ouf. Alors, quelle est la surprise? Un micro, je l'ai déjà. Je peux le jeter. Allez. Give a girl sa bouffe favorite. Ok. Donc la bouffe favorite de Ayane. On va voir c'est quoi. Je vais regarder tout de suite grâce au topic d'Anto. Je vais sur le topic d'Anto. Elle aime quoi? Les tomates, le crabe, le raisin et les sushis. Tomates, crabe, raisin, sushis. Alors, tomate, crabe, raisin, sushi.
On sait que la saga Namek sera What the Fuck, Cooler et Freezer versus Goku. Oh là là! Il y aura les OAV donc. Hein. Franchement, Xenoverse 2 m'a mis sur le cul. Il manque le projet de Raging Blast 3. C'est pas mal ce projet là. J'ai vu un peu les détails. C'est assez bien foutu. Putain, je sais pas si les techniciens de SFR se sont trop branlés en regardant des OA, mais ils sont en train de me faire péter un câble. Oh putain, Anto. Ça y est, t'as rebooté la box? Allez, on va acheter le maillot. J'espère qu'on a assez. Alors, on va foutre d'abord la crème solaire. Tac. Ensuite, on se met en mode owner, on achète le crabe. Alors, il y a quoi? Elle kiffe le crabe. Il n'y est pas. Il faut lui donner absolument ce qu'elle aime. Donc là, il n'y a rien. On va revenir après une relaxe. On va voir. Il n'y a rien, d'habitude il y a des plats. Thalès et Slug avec le commando Ginyu. Oh là là! Thalès sont ultimes et juste sublimes. Oh, mais il y aura combien de personnages au total? Bon, on va attendre. Qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps? On va voir si on peut acheter le maillot. Et on se fait une relax. 500 000. Ouh, les gars. Ouh, les gars, ça va être chaud. Alors, on a le rouge et le violet. Par contre, le noir, on l'a plus. Si, le noir est là. On prend le noir, les gars. On prend le noir, c'est obligé, rien à foutre. Pas besoin de papier cadeau, on s'en fout. 500 000 dollars le maillot de bain, les gars. Celui-là, il pique. Hein. Il y aura du Black Goku. Black Goku, il est inventé ou pas? Parce que pour moi, je l'avais jamais vu dans des séries. Tac. Alors maintenant, on va équiper le maillot. Eh, les gars, il est lourd celui-là, je vous le dis. Hein. Oh là là, celui-là, il est lourd. Hein. On va faire une relax. On va faire une relax. Obligé. Relax, obligé. Ouh! 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 En plus, ouh! Oh là 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 là! Et il est tendu, celui-là! Oh là là! Ouh là 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 là! Ouh aïe 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 aïe! Bon, quoi de neuf depuis que je suis parti? Enfin, plutôt que depuis? Depuis m'être fait dégager par l'internet. Gohan du futur et Bak ainsi que Janemba et Gogeta. Ceux-là, je les ai vus. DB Super, Nono, Black Goku. Ok, d'accord. Il est dans Dragon Ball Super. J'ai lâché au 5e épisode Dragon Ball Super. Il aura le 16 et... Ah oui, d'accord, le pink. Oui, ça j'ai vu. J'ai vu Sid faire un dessin de justement du Super Saiyajin pink. Je trouvais ça bizarre d'ailleurs. Allez, on va tester le nouveau maillot dans un match de volleyball puisqu'elle aime bien ça et ça va faire rentrer un peu de sous. J'espère qu'Onoka va changer de maillot de bain. Mais change-le, je t'en ai acheté 15 des maillots de bain sans déconner. Oh là là, oh là là, il est sexe. Non, il m'a déconcentré. Je suis déconcentré. Tiens. Ah ouais, ça y est. Ça y est, j'ai fait le Super Smash. C'est bon, j'ai compris. Merci S Gaming.
C'est bon, j'ai compris. J'espère qu'ils mettront hit. Mais on verra bien. Très bon choix, merci Dobby. Ah, je savais qu'il allait te plaire. Je savais qu'il allait te plaire, ce maillot. Mais il y a les marques de bronzage, va falloir les retirer. Oh là là, mais sur les côtés, il est dangereux. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ouais, ben dis donc, on y est arrivé. Oui, j'espère que Goku... Blue Kaioken. Oui, j'espère. Et Goku, Saiyajin, Blue Kaioken. Tout ça, c'est des personnages de DBS ou pas? Il y a le Blue Kaioken aussi, sérieux? Mais ils ont fait combien de transformations? Tiens. Tiens, me fais pas la passe, ce code. Ouais, on est bon. On est bon, 6-1. On est en train de les péter. Bien, victoire. Oulala. Oulala. Il est chaud celui-là. Oui, arc tournoi de DBS. Ok. Il y a eu même un tournoi dans DBS. Ah, falloir que je reprenne. Hein. Il aura sûrement un spécial ou ultime pour se mettre en Kaioken. Oh con. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de DBS? Ça vaut le coup ou pas? Alors, pendant ce temps que vous me répondez, je vais essayer... Ah oui. Putain, j'ai carrément oublié. Faut que je donne la bouffe favorite. Alors, elle kiffait quoi, déjà? On n'a rien qu'elle kiffe, là. Elle kiffait quoi? En bouffe, qu'est-ce qu'elle kiffe? Les marrons glacés, les tomates, le crabe. Il n'y a même pas les tomates. Donc, les marrons glacés, les tomates, le crabe, le raisin et les sushis. Ben, il n'y a rien. Hein. Ça sert à rien que j'achète, hein. Ça a rien que j'achète, y a pas. Elle va pas aimer. Ouais, j'ai regardé le premier épisode. Et c'est tout. Ah, toi aussi, Anto. Moi, j'ai regardé jusqu'au 5. Hein. Le tournoi était très sympa. Ok, Broly. Mais il faut que tu regardes le Kaioken en Super Saiyajin bleu. Pour l'instant, c'est le meilleur moment de Dragon Ball Super. C'est tout? Oh là là, y'a que ça? Bon, on peut pas lui offrir. Donc moi, je vous propose une deuxième relax avec ce maillot. Parce que ce maillot vaut le coup. Ouh là là! Elle fait les étirements, hein. Elle fait les étirements, hein. Ça fait du bien. Oh là là. Oh là 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 là. Putain. Ça pique, hein. L'arc Trunks du futur a un bon scénar. Putain, mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'arcs. Mais il est en cours. Tu verras cet épisode et tu diras, ça, c'est du Dragon Ball. Ok, je prends note. Allez, on file à l'hôtel, 7e jour. Je vais lui quitter cette mission parce que... J'ai un rapport de Mister Hayate. Ouh là là, ça pique. Ouh là là, c'est quoi ce maillot? Ouh là là. Allez, le cadeau.
Ah, ça l'aime bien, on garde. Qu'est-ce que je fais? Je la cut ou pas la mission là? Oh, faut que je la cut ou pas? Les deux premiers arcs, c'est les deux derniers films. Goku versus Hit égale the meilleur moment de Dragon Ball Super. Ah, je la cut ou pas? Pas la mission. Est-ce que je peux lui offrir d'ici, Sidon? Est-ce que je peux lui offrir d'ici? Est-ce qu'il y a de la bouffe ici? Non, il n'y a pas de bouffe. Là, je suis obligé d'aller au magasin de Zach. L'inédit, c'est vers l'épisode 30 ou 40, je sais plus. Putain, mais vous avez bien suivi. On en est à l'épisode combien pour le moment? Bon, je vais tenter demain. Allez, je vais tenter la nouvelle, les nouveaux stocks. On verra. Si je la réussis, on va passer une autre mission. Sinon, je serai obligé d'attendre toute la journée. Alors, on va la faire de suite. On met la lotion, bien sûr. Ça, c'est fait. Ensuite, mode owner. On file au magasin. Alors, ils ont rajouté la glace, les bananes, la guitare, la flûte. Et non, il n'y a pas, je me suis fait niquer. Je me suis fait ken. Bon, on va tenter la glace, hein. On va tenter la glace. On verra bien, hein. T'en l'aime, hein. Mais c'est pas sa favorite, je le sais, ça va pas marcher. On va lui offrir le cadeau. Ah, mais j'ai vu. Ah, on a les taux de satisfaction, là. On verra quand ça passe. 55 la semaine prochaine. Ok. Tape Goku vs Hit sur YouTube. Oh, elle a l'air d'avoir aimé. Mais elle a rejeté. Elle a aimé le geste, mais elle a pas aimé la glace. Attention, cependant, les épisodes filières sont ultra pourris. Ah ouais. Non, mais moi, après, la technique, ça me dérange pas. Il faut que j'ai de l'émotion. Bon, donc ça a pas marché. Ça a pas marché le coup de la glace. On va faire une partie de volée. Hein. Tiens, on n'a jamais essayé de prendre des photos pendant la partie de volée. Ça pourrait être pas mal. Tiens, on va rigoler. Take photo pendant la partie de volée. Elle veut pas me relaxer là. Je suis énervé à cause des bugs. Oh là là. Oh là là, ta box, Anto, ta box. T'inquiète pas, on va faire des photos sympathiques, là. Tu peux commencer à jouer, t'inquiète pas. Ouh. Tiens, déjà, celle-là, elle est pas mal. La doublette. Non, allez, on la quitte. Ouh, celle-là, elle est pas mal. Oh, le contre! Elle s'est gavée! Celle-là, je la garde, celle-là. Obligée. Allez, on skip.
Les filles, c'est les épisodes annexes hors arc. Ils se sont améliorés sur les dessins et l'animation. Ah bah oui, mais ça avait pleuré dès le deuxième épisode. Au cinquième, tout le monde a pleuré. Allez, on va faire une petite relax. Cette relax, elle est dangereuse. Elle est dangereuse, celle-là. Content de l'avoir acheté, celui-là de maillot, je vous le dis. Allez, on file à l'hôtel. Encore 3 jours à faire. I want to get a pair. Ah, ben ça va, on va faire un petit poker. Faudra essayer d'avoir une seule paire, ça suffit. Ah, il faut le faire 2 fois en plus. Sérieux? Ah non, 2 paires! Deux paires? Ils sont sérieux? Oh con, 2 paires. Allez, le cadeau. Ok, elle s'en bat les couilles. Autant le jeter. On va le mettre de côté, on sait jamais. On pourra peut-être l'offrir. Bon, le casino avec 2 paires. On va quand même vérifier, je préfère bien lire. Attention, le truc du futur a les cheveux bleus. Et pourquoi ils lui ont changé la couleur de ses cheveux? Ils sont violets normalement. C'est dû à une transformation ou c'est sa couleur de cheveux de base? Alors, je vais bien. Je veux obtenir un pair, plus deux pairs, un pair ou deux pairs? Alors, aller au casino et recevoir two pair 2 fois. Ah ben ouais, d'accord, ok. Les flashbacks de l'arc, celles en noir et blanc. Bonne soirée à tous, Nono, bonne continuation dans les choix de maillot. A plus, Dobby, merci d'être passé. Pour pas qu'on voit les cheveux violets. Pas qu'on voit les cheveux violets. Par contre, j'ai pas compris. Qu'est-ce que celle? Il y a des flashbacks en fait. Tu revois celle et tout. Tiens, non, mais ça doit être un truc de malade ce DBS là. Ça doit partir dans tous les sens. Allez, go. On est parti pour le casino. Deux paires. On va essayer de jouer pas mal d'argent là. 4, 5, 8. On va garder la dame et l'as. On a que dalle. On se couche. On va essayer de jouer à blender d'argent. Pour pas qu'on voit les cheveux violets. Mais j'ai pas compris pourquoi on les verrait pas. Attention, Trunk du futur a les cheveux bleus. Les flashbacks de l'arc, Cell en noir et blanc. Ça veut dire que quand c'est un flashback de Cell, l'image est en noir et blanc, c'est ça? On va jouer au poker... Attends, on va quitter. Voilà, on va jouer au poker qui coûte cher. À coût de 5000. Les cheveux de la forme de base de Trunks sont bleus. Ben ouais, c'est bizarre, ils ont voulu les changer. Ok,
On a déjà une paire, c'est bien. On continue. On va demander... on va les changer. On va changer les trois cartes. Deux paires. C'est bon, nickel. Et on va continuer jusqu'au bout. On a nos deux paires, c'est super. Donc si j'ai bien compris, chaque famille de cartes, c'est une fille. Tous les trèfles, ça sera Itomi. Tous les cœurs, ça sera Marie-Rose. Tous les carreaux, ça sera Momiji. Tous les piques, ça sera Ayane. Et là, les carreaux... Ah non, les carreaux, on a Elena et Momiji. Je comprends pas. J'ai deux paires, qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle a une flush! Putain, elle a une couleur! Elle m'a ken! Alors, tac, tac, tac. Je vais garder le valet et le roi. D'ailleurs, Trunk a tué Dabra et Babidi dans son futur. Putain, mais ça doit être un truc de fou, en fait. Ok. On va la jouer. On va la jouer. Une paire de rois, on va la jouer. Une paire, c'est bon, on a gagné. On a gagné 37 000. Parfait. On est remonté à 300 000. Il maîtrise le Saiyajin 2 maintenant. Il était déjà Super Saiyajin 2, non? Alors, qu'est-ce qu'on a, là? On garde la dame et le roi. Et on a gagné une dame. On a nos deux paires. Benko. Benko. Et avec une carte haute en roi, ça va le faire. Oh, je les ai démontés. Parfait, on peut quitter. Non, il avait la forme Super Trunk, mais pas le Sai. Ah ouais? Ah, mais tu sais quoi? J'ai tout. Mais en fait, c'est parce qu'il pétait ses cheveux. Il pétait l'élastique. Donc du coup, je pensais que c'était... Ah ouais! Puis même, la deuxième transformation, tu me diras... La deuxième transformation, il a fait quand pour la première fois, Sangoku? Il l'a fait après celle, de toute façon. Et j'ai gagné 18 000 avec cette mission. 400 d'XP. Putain, S-Gaming, comment t'as fait pour le cramer, ce jeu? Putain, pour arriver au level 100, c'est un truc de fou. Allez, nouvelle mission. Watch a girl playing in hour mode. Ah bah écoute, on va la regarder. On se met en hour mode. On se met en mode propriétaire. Et on va faire... et on va faire un... Take photo beach flag, on va faire, ouais, on va faire un beach flag, ça va aller vite au moins. C'est quoi ça? Ah putain, c'est la relax. Putain, je me suis trompé. Celle-là le mérite. Celle-là le mérite. Attends, 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 je vais faire la photo quand elle écarte les cuisses. Ouh, ça déchire, ça. Ça déchire, je prends.
Dans Dragon Ball Super, tu t'es trompé. Un salaud drapeau. Une salope drapeau. Putain, je me suis trompé en taux, sans déconner. Et comme par hasard, tu as fait une relaxe. J'ai pas fait exprès. Dans DBS, Trunks et Super Saiyajin 2 a la même coupe de cheveux que en Super Saiyajin 1. Ok. Alors, du coup, Watch a Girl. D'accord, c'est ça. Putain, je me suis trompé. Il y a que Anto qui a remarqué que je m'étais trompé. Et oui, c'était la relaxing, ça. Putain, sans décoder. Allez, go. Attendez, je ferai une photo de ouf, là. Déjà, là, celle-là, elle mérite. Allez, balance le départ, là. Tiens, bam. Excellent. Après, quand elles vont se jeter... Oh non, ça a changé de page. Oh non, ça a changé de caméra. Ouh là là, ça aussi, je garde. Il y a Kanto qui a remarqué que je me suis trompé comme un couillon. Alors go, il faut aller. Il faut faire une fois l'escalade. C'est parti. Allez, l'escalade. L'escalade. T'avais combien d'heures de jeu, S-Gaming, si t'es encore là? Tac, 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 tac. Tranquille Beach, c'est ici. Hein. Elle va aller chercher les bananes pour se le foutre dans le boule. Non, je me suis trompé, qui est mongol. Me faire regarder son cul. Une heure de réaction, là. Une heure, le temps de réaction, bordel. Ah, Broly, t'es au courant pour le chat du Hooper, alors, du coup? J'en parlais à Anto hier, pendant le stream. Oh, les temps de réaction que j'ai quand je vois des boules, c'est honteux. Des news d'ailleurs, oui, c'est triste, la mascotte est mal, eh ouais. Dernière nouvelle là qu'il a lâché dans son stream hier. C'est qu'il a laissé, il a enfin laissé à la clinique pour 24 heures. Et apparemment, ça serait une insuffisance rénale. Mais elle bouge plus, elle galère à boire. Rien que sortir la langue, c'est... Il a dit qu'elle happait l'eau toutes les 20 secondes quand elle buvait. Tellement elle galérait. C'est un truc de fou. C'est dommage, hein, comme je disais à Anto hier... C'est un peu la mascotte, tu vois, quoi, c'est la mascotte, clairement. Et ça rend triste, hein. C'était un peu tous notre chat, quoi. Ce que je disais hier. C'est un peu tous notre chat, ce putain de chat. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Allez, juste une paire. Non, juste jouer au poker une fois. Ben, c'est parfait. Comme si c'était notre chat, cette boule de poils là. Tu penses pareil aussi, Broly, tu vois.
Ça sent vraiment l'arrêt des vidéos, quoi. Ça sent vraiment l'arrêt des vidéos, quoi. Ouais, c'est ça. Il est aussi important que Hooper, au final. C'est vrai, hein. Il était présent dans tous les unboxings, pratiquement. Et on va garder la dame et le roi. Et on a que dalle. Autant quitter. Radio Tengo, elle a gagné. On n'a même pas vu ses cartes, du coup. Il a faisait boire à la seringue, apparemment. Bien sûr, sans aiguille, il a dit. Hein. Mais... Et le chat, il aurait entre 15 et 20 ans. Et lui, il pensait qu'elle en avait que 13. Quoi, que 13. 13, c'est déjà beaucoup. Après, je pense qu'il a... Il a accepté, hein. Là, quand il a fait son stream, ça allait, hein. J'ai pas remarqué vraiment de différence dans son attitude, même si je pense que si elle venait à mourir, oui, il serait bien dégoûté. Mais là, pour le moment, tant qu'elle est en vie et qu'elle galère, il arrive à l'encaisser parce qu'il s'est dit, bon, elle a quand même bien vécu, elle avait de quoi s'amuser, il a un jardin de fou, peur, hein, quand tu vois les vidéos, franchement, je me dis, son jardin, mais qu'est-ce qu'il doit avoir comme baraque, quoi. C'est un truc de fou. Chaton dans les unboxing, celui de Skyward Sword, ouais. Il m'avait fait rire dans Skyward Sword. Non, c'était pas Skyward Sword, c'était Wind Waker. C'était pas Wind Waker, Broly ? Quand il avait sorti le couteau de ouf et tout. Pousse-toi, chaton, et venez au milieu et tout. Allez, il nous reste 3 jours à faire. 3 jours à faire. Elle veut jouer de l'ocarina. Ah ben c'est parfait. On n'a même pas besoin de l'acheter, on l'a déjà. On l'a déjà puisque c'était un cadeau qu'on lui avait fait en tôt, tu te souviens? Donc l'ocarina, on l'a déjà. On lui avait offert avec Kazumi hier, il me semble. Allez, play. C'était The Lullaby's Theme. Le thème de Lullaby's. Skyward Sword, sérieux? Oui, il a l'air de l'accepter. Hein. Il me semble aussi... Il a fait un unboxing de Skyward Sword. Vous êtes sérieux? Un petit coup d'ocarina. Off time. Dommage qu'elle n'est pas violette. Fais le chant du temps. Non mais attends. C'était quoi le collector de Skyward Sword? Ah, il y avait le CD et il y avait quoi avec? Skyward Sword, il a fait un unboxing? Allez, une petite relaxe. Avec la télécommande dorée. Ah ouais, putain, quelle mémoire en taux. Ah ouais, non mais c'est vrai. C'était dans ce jeu qu'il y a... Oui, c'est vrai. Oui. Exact. Excellente mémoire, les gars. La Wiimote dorée et tous ces jeux Zelda en fond. Oui. Et moi, j'ai confondu avec Wind Waker... Avec la petite statuette. Putain, 25 000 dollars pour avoir joué de l'ocarina.
Alors, donner à une fille le maillot qu'elle aime. Ça sert à rien. Ça sert à rien, on l'a déjà fait, on va la cutter. On va la cutter ce soir, dès qu'on arrive à l'hôtel. Tiens, on va la regarder un peu sur le transat pour voir. Même que ça commence par chaton, il veut jouer à Skyward Sword. Avec le couteau de Rambo. Ouais, c'est ça, j'ai confondu les deux. Il y avait bien le couteau de Rambo. Il avait tellement peur. Il avait tellement peur de d'abîmer la boîte comme il avait fait avec, avec le unboxing de Xenoblade. Qu'au final, il avait pris le couteau de Rambo. Et il avait donné un coup dans le vide. Il m'avait fait halluciner. J'avais rigolé dans cette vidéo. Elle est huilée là, ça se voit. Ça se voit qu'elle est huilée là. Que je lui ai mis le bordel de trucs de bronzage. Là, il y a du plantage. Comment ça, il y a du plantage? Ah ouais! Ça veut dire que je plante devant la meuf, c'est ça? Et ça se voit qu'elle est huilée là. Son corps il brille. Hein. Il est tout luisant. Je sais pas si vous le voyez bien avec ma qualité de stream pourrie qui est au minimum. Mais moi je vois bien son corps tout brillant. J'ai pas regardé sa coupe de cheveux encore là. Faudrait que je change. Elle dort carrément. Elle dort. C'est la fête au village. Sans déconner. Elle se tape la niche, elle. Normal. C'est ce que Hooper a dit avec le coup de couteau. Ah ouais! Exact. Exact. Là, il y a du plantage. Rogue Gamer, what the fuck? Oui, c'est du what the fuck ce jeu. Hein. On peut le dire. Hein. Faut dire ce qui est. On voit bien son cul, oui. Allez, go! On fait un petit volet, ça fait longtemps que j'ai pas fait de volet, les gars. J'ai failli ne pas choisir le volet. Contre mes deux préférés. On y va! Oh, elle a bien bronzé là! C'est quoi? C'est parce que j'ai fait la relax au soleil, c'est pour ça? Oh là là, Momiji, Momiji! Momiji! Tiens! Le volet aussi technique que dans Mario Party. C'est surtout les réflexes. Surtout les réflexes en fait. Tiens! Oh là là, c'était le mien celui-là. Un volet
Toutes les excuses sont bonnes pour mater des postérieurs. C'est vrai. Anto m'a grillé. Tiens, oh, je les démonte. Oh, avec un joli bronzage, elle est belle. Et j'ai oublié ses cheveux, là. Ouh, ça fait mal. Peu importe ce qu'on fait, il y a toujours un cul. C'est ça qui est bon. On va leur mettre Fanny. On va leur mettre Fanny, les gars. Compris, hein. Le coup du missile, j'ai compris. Hein. Ouh là là, bah, Kokoro, Kokoro. C'est le concept de peu. C'est le concept du jeu, tout à fait. Regarde, on peut même faire un défilé de mode. On a fait le 7-0. Oh, on a 749 000. On peut acheter un maillot, les gars. On peut acheter un nouveau maillot. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà à la base? On peut acheter un nouveau maillot. Hein. Oh, oui, on va l'acheter. Celui-là, il est stringé, les gars. C'est obligé. Hein. Allez, c'est vous qui choisissez. Je fais le tour. Le Puka. Le Laminar. Le Sylph. Trop de tissu. Vous avez reçu un message subliminal là. L'Hippogriffe. Le Knocker. Le Cerberus. Il est pas stringé, je le vois. Fashan. Oh, le Fashan, je l'avais oublié lui. Le Fashan, les gars, en Underboobs. Ça peut le faire, non? Le Dryad. Le Sandman. Le 4-6. Le Melia. Le Kikimora. Il n'y a pas de jeu de mots, là. Kikimora. Elle aura mon Kiki. Et le Puka. On a fait le tour. Qu'est-ce qui vous intéresse? Le nude, il coûte quoi? Le nude. Le nude. Il n'y a pas de nude. Salut petit Nico. Ça va petit coquin? Ouais, moi je vais bien. Attends, ça va toujours bien. Ça vous dit d'attendre 50 000 boules pour faire le Fashan? Le Fashan, il envoie. Spécial Underboobs. Ça vous dit ou quoi? Alors, le nude. Il n'y a pas de nude. Le Kikimora. Le Laminar, le Knocker, le Fashan, le Dryad. Non, il n'y est pas. Il n'a pas compris. Ah ouais! Le nude, ça veut dire nu en anglais. Ok, d'accord. Le nude, tu l'avais à poil, quoi, clairement. Bon, il me semble. Moi, j'opterais pour le Fashan. Le Fashan en underboobs. Parce que là, ça se voit pas bien, mais on voit le dessous des boobs. Bon, tu me diras le maillot qu'elle a maintenant. Elle est pratiquement à poil. Sinon, le 4-size, le 4-6, Il est stringé derrière, hein, je le sens. On va attendre un peu.
On va attendre un peu. J'ai l'impression que ce maillot-là vous plaît. On va refaire un match de volley. Parce que il y a moyen d'avoir des sous. Vas-y, prends ce que tu veux. Ok, on va attendre le Fanchan alors. On va prendre le Fanchan. Le Fanchan ou le 4-6. Ah ouais, mais il est dangereux celui-là. Oh! Oh! Bien, 1-0. Oh putain, elle m'a contré cette connasse! Oh putain, je t'ai monté au filet, je crois que c'était une passe! Putain! Mais n'envoie pas direct, reviens! Bien! Ça c'est bon! Allez, il reste encore 2 jours de vacances! Putain! Putain! Oh là 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 là! Oh là là! Comme je me gave. Oh putain, elle m'a contré cette connasse. Non, l'abuse. Plus elle a une jupe de 3 km. Tiens. Bien, match gagné. Alors on va prendre le Fanchan. Putain, les bugs internet. Anto, on va prendre le Fanchan. Reste là, reste là. On va prendre le Fanchan. On va voir le cadeau d'abord. Give a girl a sweet. Ouais, c'est ça, je vais pas acheter. Donc, faut pas que j'oublie de zapper la mission. Hop, allez. Le cadeau. La harpe de Skyward Sword. On va la garder. C'est une lyre, pardon.
Trop vêtu, Kokoro, c'est pas bien ça. Toi aussi, tu tombes dans le panneau, Broly, t'es comme nous. T'aimes pas quand y a trop de tissu. Quand y a trop de tissu, c'est pas bien. Mauvais. Mauvaise fille, mauvaise. Allez, on va quitter cette mission de merde. Parce qu'acheter un maillot à 800 000 boules, ça sert à rien, elle l'a déjà. Allez, encore deux jours. Et on arrivera au bout de ce stream. C'est ça, on attaque le 11e jour, on achète le maillot Underboobs et on fait une relax spéciale. Il y est plus. Il y est plus. Les bâtards. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Le tissu, c'est vulgaire et dégradant. Oh non, il y est plus. Bon, ben on va acheter le 4-6. Hein. On achète le 4-6. Hein. Allez. Pas de papier cadeau. Ça me bat les couilles. Oh putain, on n'a pas pu prendre le... Oh, je suis gavé. Allez, on va l'équiper. Ah, LM en plus, c'est parfait. Équipé. Faut faire péter les photos. Ouh, elle a bien bronzé, là. Ah non, elle est pas trop stringée derrière, mais il est joli, quand même. Hein. Le jeu te met en PLS. Je te jure. Oh là là, oh, il est serré devant. Oh là là, il est plus petit que tout à l'heure, en tout cas. Il est plus petit, il est plus petit. Ça se voit avec les traces de maillot. Je vais vous le prouver de suite. Je vais vous prouver qu'il est plus petit. Alors, comment on prouve qu'il est plus petit? Comme ça. Vous voyez que la peau... Il y a une partie de peau qui n'est pas bronzée. Ça se voit. Le haut est plus grand. Le haut est plus grand. Eh oui. La photo. On prend l'épreuve. Ah, sous les bras, elle n'est pas bronzée. C'est pas bien. Ouh là là, ouh là là. Vous avez vu? Vous avez vu ce que j'ai vu? On va attendre, on va attendre. Oh là oui, oh oui. Vous avez vu ce que j'ai vu là aussi. Ouh, on l'a, on l'a. We got it. We got it. We take the fees. We take the fees. J'arrive à tout voir. Chef, on a la photo. Je répète, on a la photo. Regardez ça. Oh là là.
C'est tellement bombé que ça touche plus la peau. On a trouvé la brèche. On a trouvé la brèche. On a trouvé la brèche. Retraite, retraite. Oh putain. Allez, go. Alors, on va essayer de faire un peu de sous. Le volet, ça paye bien. Alors, non, la mission de progression, c'est quoi? Jouer au pull-up ping avec une autre fille et gagner deux fois. C'est parti. On va jouer contre Kokoro parce que ça va être facile. Oh, il est joli son maillot à Kokoro là. Non! Non! Alors il faut bien gagner en plus, hein. Et gagner. Je suis un âne, j'étais tellement déconcentré par son boulard. Ah là là, ah là 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 là. Oulala, c'est une correction. C'est une correction. J'oublie toujours de regarder ses coupes de cheveux. J'oublie toujours de regarder ses coupes de cheveux, bordel de merde. Je suis trop déconcentré. Allez, on a gagné une fois. On a reçu un cadeau, comme d'hab. Hop. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un arrosoir, rien à foutre. Mais je le garde quand même, on sait jamais. On peut l'offrir. Alors, allez au lit. Direct. Ça va être facile et deux secondes plus tard, folle. Eh ouais. Eh ouais. Non mais Broly, c'est parce que j'étais déconcentré par son boulard. Je te dis la vérité, je suis sincère avec toi. J'ai du mal à me concentrer quand il s'agit d'appuyer comme ça sur les touches. Alors que t'as des boobs qui flottent de partout. Alors la coupe de cheveux, j'y ai pensé cette fois. Allez. Qu'est-ce qu'elle a comme coupe de cheveux? Là c'est sans le bandeau en fait, mais c'est pas mal, c'est joli. Comme ça c'est pas mal aussi. Putain, mais les coupes à 1 million quoi, sans déconner. Les coupes à 1 million. N'abusez pas. Les coupes à 1 million de dollars. Ils sont sérieux. Rien que pour lâcher ma frustration, je vais acheter un ballon de volée. Allez, deuxième partie de pull hopping. On peut jouer contre... Tiens, on va essayer de battre... On va essayer de battre Kazumi. Je sais qu'Anto l'aime bien. Alors c'est juste pour qu'il la voie. Avec un joli maillot peut-être. J'espère que c'est pas le maillot d'origine. C'est le maillot d'origine. Ah non, c'est pas le maillot d'origine. Ouh, elle a mis le... Ouh là 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 là, oh là là, comment me concentrer avec le maillot de Kazumi là? C'est pas possible. Faut qu'on la voit plus, faut que je la sorte de l'écran. Faut que je la sorte de l'écran. Faut que je la sorte. Voilà, là on est bien. Là je peux me concentrer. Là c'est bon.
là je peux me concentrer. Hop, 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 c'est bon. Ouf, il est chaud ce maillot, Anto. Hein. Il nous a rendu fous hier. Oh là là, ce maillot de Kazumi. Il est dangereux. Alors, jouer et gagner un match de volleyball, tandis que vous êtes avec un autre joueur. D'accord, je comprends bien. Il a peut-être un mauvais... Il a peut-être bug au mauvais moment. Ah ouais. Ah ouais, alors là, c'est dommage. Mais en tout cas, ce maillot-là de Kazumi, il pétait. Hein. Il pétait de chez pété, quoi. Est-ce que tu l'as vu de derrière? Il est monstrueux. Allez, à partie de voler, il reste encore un jour et demi, je crois. Et il faut le gagner, le match. Absolument. J'ai pas vu. C'était le maillot de fou de Kazumi. Ultra stringé. Non. Oui. On a fait le point en fait. Je croyais qu'il avait rebondi dans mon camp. Tiens, Hooper devrait faire une épopée sur ce jeu. SFR lundi. J'ai pas vu Kazumi avec vos conneries, bande d'enculés. T'as réussi à écrire enculé? C'est bizarre. T'as réussi à écrire enculé sans que ça soit censuré. C'est bizarre. Elle bug vraiment ta box. Oh putain! Marie-Rose fait tâche dans le jeu, une vraie planche. C'est vrai. Oh. Tiens, mange-toi ça. Il fallait bien qu'il y en ait une qui ait pas de boobs. Hein. T'imagines ceux qui aiment pas les boobs. Ils vont se dire, ah, le jeu est pourri, il n'y a que des boobs. 30 000 $, c'est pas mal ça. Ah, tiens, on a débloqué les marrons glacés. Et c'est écrit en français. Parce que c'est un plat français. Et on peut les acheter au magasin de Zach.
My throat is parched. I could use a drink. Donc il va falloir lui acheter un soda, je crois. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Acheter et boire un soda. Quoi, en tout cas une boisson. Pour les pédojapes. C'est clair. Mais c'est exactement ça. T'as raison, Broly. Hein. Faut dire ce qui est. Et c'est ça. Elle a 18 ans pile dans ses statistiques, Marie-Rose. On va acheter... Non, c'est pas là, la boisson, putain. Donc, elle kiffe les sodas, elle. On va lui acheter le soda. T'inquiète. Hop, poolside. Non, putain, je suis déconcentré. Allez, maintenant, on a le crabe. On le cherchait pendant une heure. On a les tomates aussi. Et on a le sushi. Il y a tout ce qu'il fallait pour Ayane. Sans déconner. Alors, elle voulait une boisson. Elle kiffe le soda. Et il n'y a pas de soda. Alors, quand il te demande une mission... Quand il te demande une mission, ben, il n'y a pas les items correspondants, justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les acheter à l'avance? Bon, on va tenter l'ice tea, hein. Mais je crois que ça marche pas. Il lui faut absolument un soda, quoi. 18 ans et déjà comme ça, scandaleux. Hey, tu veux un Fanta? Bon, on va tenter l'ice tea, mais je pense pas que ça va marcher. C'est un scandale. On va tenter l'ice tea. Ça va pas marcher, faut un soda, non? En même temps... Ah non, ils disent une boisson! Ça peut être n'importe quoi! Mais oui! Ah, on peut équiper le ballon pour le match de volley, d'accord. Ça y est, il est équipé le ballon. C'est bon, mission réussie. Il n'y a pas un petit volet en hard là, j'aimerais bien. Si. Voilà, on a Marie-Rose et New Tengu. Whisky Coca. Allez, petit match de volley. On le voit pas bien celui-là. Oh là là, ça va être hard, ça va être hard. Quand je vois qu'ils arrêtent les Super Smash et qu'ils m'en font un gros, on est marron. Oh là là, son service. Il va être tendu le match. J'aurais pas dû prendre un ballon camouflage. Parce que là, on le voit pas bien. Hein. Oh, comme je t'ai niqué. Elle lui a envoyé dans la tête. Oh là là. La conne de Taras. Tu
Tiens le contre, je t'ai niqué. Oh là là! Oh là là! Oh là là, elle m'a alimenté. Tiens, allez, balle de match. On va tenter le gros match. Ah, c'était trop tôt là. Oh là là, quel con! L'autre, elle bouge son boule comme ça et après elle me fait une réception quoi. Tiens! Non! J'ai oublié d'appuyer! Oh, mais quel cassos! Mais quel cassos! Oh non, mais quel mongol! Ok, allez, on va faire le 13ème jour, quand relax. Ah ouais, non, mais j'ai... Oh, je regardais son boule, en fait, je te dis la vérité. Je regardais son boule, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je veux dire ce qui est, je suis sincère avec toi, Broly. Je préfère être honnête. Jouer à la roulette 10 fois. Tu vas me donner 10 chiffres, Broly. Donne-moi 10 chiffres. Avant que j'y aille, là. Je vais regarder le cadeau, tu me donnes 10 chiffres. Entre 1 et 30. Alors, tac. Go to bed, non. Le cadeau. Put away. Non, je l'ai dégagé. Ah, je l'ai mis dans la... Hop. Fais-moi gagner des sous, Broly. Donne-moi 10 chiffres. Closed. Ok. Tac. Tac. On va le boire, hein. Ça me bat les couilles. Go to bed, yes. Il est où le ballon? Elle choum! Bon, on va la quitter, celle-là, de mission. On va faire... Ouais, parce qu'il faut jouer 10 fois à la roulette, quoi. Ouais, on va la jarter. Jus d'orange, hum hum. Allez, c'est bon, on a les chiffres, allez, on va la faire. Allez, hop, ben, c'est plus de message, je regarde les chiffres à Broly. Le premier, est-ce que... Broly va nous faire gagner. C'était... Ah, fallait aller jusqu'à 36, mais c'est pas grave. Allez, la roulette. Le premier, c'est le 1. Dans l'ordre, le 1. Est-ce que le 1 va nous faire gagner? Broly, tout repose sur toi maintenant. Ensuite, ça sera le 12. Le 12, j'aime bien. Non,
Il s'agit du 20. Le 20, tu l'avais pas placé. Ensuite, le 12. Ensuite, ça sera le 14. Et joue beaucoup les autres, hein. 31. Est-ce que le 31 tu l'avais mis? Non, tu l'avais pas mis. Ensuite le 14. Après 14, ça sera le 7. Il y avait le 0 et le double 0 aussi. Hein. J'avais oublié. Le 18. Le 18, il n'était pas non plus. T'avais mis le 17 par contre. Hein. Donc là, on en était... Le 14, on l'a fait. Maintenant, le 7. Ensuite, ça sera le 9. Le 19. Donc on passe au 9. Putain, oh les sous qu'ils ont pris. On passe au 9 maintenant. Ensuite, ça sera le 4. Le 32. Allez, le 4. Le 23. Le 23, on l'avait pas non plus. Le prochain chiffre, le prochain nombre, c'est le 26. Le 33. Le prochain sera le 29. 29. Il te reste 3 chiffres brûlés pour me faire gagner. No!
Le 35. Le prochain sera le 17. Le 17, c'est le chiffre d'Anto en plus. Si vous me faites gagner avec celui-là, Broly qui me donne le chiffre d'Anto et que je gagne, oh là là, je vous achète un maillot direct. Elle est obligée de jouir quand elle joue. C'est clair. Le 25. Allez, on termine avec le 21. Ah, c'était le 4! Putain, le 4, tu l'avais sorti! Tu l'avais sorti, Broly, le 4! Oh là là! Scandale! Allez, on peut quitter. On a fait nos 10 parties. Est-ce que la mission est accomplie? La mission est accomplie, c'est parfait, go to bed. On va faire le 13e jour, que de la relax. Elle a envie d'un bon ragoût. Avec que de la relax aujourd'hui. Que de la relax. Ah ben tiens, on l'avait jamais vu celle-là. Ouh là là. Ouh là là. Que des nouvelles relax hein, au 13e jour. Hein. Elles se débloquent selon les jours en fait. Alors, le cadeau. Ensuite, on annule la mission parce que trop compliqué avec le même maillot. Hop, quitter la mission. Trop compliqué.
Ok, go to bed. Il me tue. J'en peux plus. J'en peux plus de ce jeu. Il me tue. Moi aussi, Anto, moi aussi. Alors, manger des marrons glacés. Allez, on va le faire. Est-ce qu'on peut acheter un petit nouveau maillot quand même là? Ah, il est revenu. Il est revenu. Le fan-chan, il est revenu. Ouh, le fan-chan en camouflage. On le prend. Alors, on va faire. Ce qu'on va faire, c'est un volet. Parce qu'on va ramasser des sous avec. Et ensuite, on achète le fan-chan. Le fan-chan militaire. Je le veux, celui-là. Comment je peux faire 20 000 boules? Je crois que le volet, ça me les fait, les 20 000 boules. Hein. Ou alors le. Le rock climbing. Le. Ouais, l'escalade. On va faire l'escalade. Les 2000, c'est l'argent à chaque fois. Les cuissasses écartées comme ça, c'est la fête au village. Hein. C'est la porte ouverte à la techa là. C'était la porte ouverte à la techa. Allez, on va acheter le maillot. S'il y a encore, hein. J'espère qu'ils vont pas m'arnaquer. Il y est, parfait, on l'achète. Ah, si on l'achète, spécial Underboobs. On l'équipe. Et on fait la relaxe. Oh là là! Oh là là! Entrée à la tête annuelle de la TK. Ça veut dire quoi, entrée à la tête annuelle de la TK? Ouh là là! C'est du lourd! Ah, c'était obligé, les gars.
Combien de relax par session? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, je sais qu'elle se débloque selon les jours. Donc du coup, aucune idée. Oh là là, oh là là. Eh ben dis donc. Qu'est-ce qu'il va nous offrir comme dernier maillot? Alors comme dernier maillot, il nous offre... Comme plutôt dernier cadeau plutôt. Ah, je crois qu'elle aime bien celui-là. Non? Non, indifférente. On va le garder, on va le mettre de côté. Ouh là là. L'OST est composé de 3 musiques. C'est vrai en plus. Hein. Franchement, c'est vrai. C'est un tanga là, ça fait plaisir. Hein. On lui verrait presque le visage. On lui voit l'œil. On lui voit l'œil à travers le t-shirt. Sans déconner, regarde, on va viser la bouche. Mais on voit la bouche. Oh putain, sans déconner. Avec les gémissements des persos. Bon allez, on va se quitter là-dessus. Ben, merci d'être resté, Broly Anton. J'ai bien rigolé. Je vous donne sûrement rendez-vous demain soir, peut-être un peu plus tard puisque c'est férié. De toute façon, je préviens sur Facebook. Si vous voulez passer, demain ça sera Elena, la blondasse au gros néné. Et au maillot très sexy, je vous rappelle que Elena est française dans le jeu. Elena est française. Donc ça mérite. Les montagnes du Nevada Kayane. Le maillot militaire. Colonel, est-ce que vous me voyez? Pas de quoi, je repasserai demain. Ah non, c'est Ayane, elle, ouais, tout à fait. Puis il y a la Ligue 1. Elena la poufiasse. Donc demain ça sera Elena. Par contre l'heure je sais pas, peut-être 21h ou un petit peu plus tard. Mais je balancerai le com sur Facebook de toute façon. Bon écoutez, merci. Je vous laisse avec le générique de fin et la note habituelle de notre session. J'espère, je pense pas qu'il y aura un A parce qu'on n'a pas fait grand chose pour la satisfaire. Mais on aura quand même le trophée. Allez, je vous remercie encore. Passez une bonne nuit, les gars. Et je vous laisse avec le générique et la note de fin. Comme si c'était son prénom qui nous intéresse. Putain. Wow, c'était des vacances merveilleuses. Oh, on dirait que ma mission est terminée. Je pense que je vais vous manquer. Ah, cette relax, je veux la voir en vrai. Elle a un maillot de sadomaso, sans déconner.
Cette voix féminine des abysses. Je pense que Kokoro, je la ferai en run 2 en stream, puisque Kokoro, je l'avais fait sans le stream. Donc du coup, Kokoro, je la ferai. Je me la ferai en stream. Kokoro, elle vaut le coup quand même. Elena, c'est elle, avec les maillots coquillages. On pourra voir ses doigts de coco à Kokoro. Je pense que plus on va avancer dans le jeu et plus les maillots vont être chauds. Elle a une pétarde de fou, cette momiji, hein. Putain. Elena, pour demain, elle est là. Elle est là, elle est là. Grade B, ça va. Quand tu donnes un maillot de bain, oui, on peut regarder. Il faut choisir le papier cadeau de sa couleur favorite. Elle pourra accepter si elle pourra accepter si tu n'es pas proche d'elle, parce que tu as choisi le bon papier cadeau. Le cadeau lui-même est important, mais oh là là, la traduction en anglais, là, j'arrive pas. Les femmes sont difficiles à comprendre. Hé hé, comme dit Christian Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre, le pauvre. Allez, passez une bonne nuit. À demain. Extreme.